Écoutez Radio ici et maintenant 95 2 FM. J'arrête quand je veux. Beaucoup de choses passent dans notre vie. Et dernière, c'était Covid-19, coronavirus. Et vous savez, dans certains endroits, on manifeste contre passe sanitaire, c'est-à-dire contre vaccination. Voilà. Et de l'autre côté, il y a dans certains pays que les gens ne manifestent puisque la vaccination n'a pas bien commencé et il y a toujours des milliers de morts par jour. Euh, vous connaissez bien le monde. Opinion à ce sujet, on avait déjà parlé depuis l'an 2020. Mais vous savez, je vais vous dire encore une fois, cette histoire de Covid-19 et la vaccination, <laughs> c'est comme toutes les autres choses que dans l'histoire, c'était imposé par le pouvoir caché mondial. Vous ne pensez pas que ça, ça a commencé? depuis hier ou avant-hier. voilà. Ce soir, je vais vous dire quelque chose peut-être que pour plupart parmi vous, vous ne savez pas. Pour euh, plupart parmi vous, vous ne savez pas. Euh, de toute façon, la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas comme la vie d'hier. Beaucoup de choses ont changé. Avant d'en penser euh, qu'il euh, y a des francs-maçons qui gouvernent dans le monde, et la franc-maçonnerie était très importante, peut-être. À ce jour-là, la franc-maçonnerie, ce n'est pas comme avant. Euh, je me rappelle Thierry Ardisson. Vous le connaissez, Thierry Ardisson Dans une de ses émissions, quand, toujours c'est lui qui pose des questions. L'autre fois, quand je l'ai vu, c'est lui qui, qui a parlé. <laughs> c'est lui qui a donné son avis il a dit voilà dans ce monde il y a trois parties des gens qui gouvernent qui gèrent le monde alors l'individu qui était là face à lui il a dit alors c'est qui ces trois il a dit on dit c'est les francs maçons c'est les hommes homosexuels les PD et les juifs c'est Thierry Ardisson qui a dit ça alors euh, moi, je veux vous dire que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ni ça, ni l'autre, ni le troisième. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'argent qui règne et l'argent qui gouverne. Mais pourtant, cette organisation mondiale pour gérer le monde, il existait depuis éternel. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on disait Écoutez bien, ce que je vais vous dire ce soir est très important, mes chers À l'époque, qu'est-ce qu'on disait on disait, c'est le Dieu. Il y avait les gens qui venaient, ils disaient qu'ils étaient des prophètes, ils venaient de la part de Dieu, et le Dieu, il a dit Faire ça, faire ça, patati, patata. C'est le Dieu, c'est le Dieu. N'importe quoi, quand on veut le faire, c'est le Dieu. Même si Abraham, il va couper la tête de son fils, qu'il soit Isaac euh, ou Ismaël, c'est-à-dire euh, l'ancêtre des juifs ou l'ancêtre des. Musulmans, parce que les deux, c'est les enfants d'Abraham. C'est-à-dire, mmh. les deux, comme vous savez, a, toujours la religion, c'était de la famille Adam et Eve qui vivaient en Mésopotamie, en Iran. Adam et Eve, après, il était exilé il y a déjà euh, 6000 ans vers le désert de, de Sinaï. Ça, j'avais fait une pièce de théâtre. Euh, beaucoup de gens ils pensent que l'humanisme, l'humanité euh, a commencé avec Adam et Eve, mais Adam et Eve, l'histoire, selon la Bible, c'est 6 000 ans. 6 000 ans, parce que nous sommes dans 5 700 et quelques, voilà, comme vous savez, l'année hébraïque, c'est le jour de naissance de Adam. Enfin, euh, oh, n'importe quoi qu'on voulait faire, on disait c'est au nom de Dieu. On disait que, oh, plusieurs milliers de prophètes, et vous nous. Alors, le prophète, il a dit ça. Ils ont écrit ça. Ils ont écrit ça. Qui Le Dieu. Il disait Le Dieu, il a écrit ça. Je vous ai déjà parlé. Quand on dit c'est déjà écrit, c'est écrit, bien sûr. Mais c'est écrit par les individus, par les, et... par les gens qui ont créé des religions. Ça, c'était une Covid-19. On vous a imposé pendant des siècles et des milliers d'années eux, vous l'avez accepté. Autre chose que peut-être plus ou parmi vous, vous ne savez pas, mais vous avez fait des recherches. Actuellement, les recherches, ce n'est pas comme avant. Avant, moi, quand je voulais trouver une vérité, je ne vous cache pas, j'étais jeune, j'aimerais bien voyager. Je partais en Égypte, je partais en Syrie, Damas, je partais euh, en Turquie, à Konya, euh, je partais à Londres, euh, feuilleter les livres dans les bibliothèques pour trouver. Euh, la source de certaines choses. C'est ça que j'ai fait pendant euh, des années, euh, voilà, dans les années 80 surtout. Mais maintenant, n'importe quoi que vous voulez, c'est votre chance et de vivre ce progrès. Vous allez sur un moteur de recherche le plus connu, c'est Google, et vous tapez et vous avez des réponses. Peut-être 100% n'est pas correct toujours surtout dans le Wikipédia ou je ne sais pas quoi, que certains sont censurés, comme David Abassi. <laughs> Mais vous pouvez euh, y trouver des informations. Alors, vous allez taper, vous allez voir. Vous savez, l'histoire que vous voyez aujourd'hui, il y a déjà 7000 ans, à Mésopotamie, que c'était l'ancien empire perse, on l'a nommé Mésopotamie, on dit « Beynon Nahrein », on dit, mais le nom de cette gouvernance à euh, est d'aujourd'hui, l'Irak d'aujourd'hui, c'était Ilamian. Ilamian, ça veut dire Iranian. Là, il y a déjà 7700 ans, il y avait un pouvoir que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez l'admirer, le progrès qu'il avait. Même, euh, j'ai trouvé... Euh, des dessins sur les montagnes, enfin, c'est pas moi, j'ai trouvé sur l'internet qu'il y avait, comme quoi même les trucs, comme ordinateur exactement, à l'époque existaient. Groupe de musique existait. Chirurgie de cerveau, ça existait. Et ça, c est, c est, il y a des prouves. C'était approuvé. J'ai mis dans plusieurs de mes livres, en français, en anglais, en persan. Même l'œil, on pouvait fabriquer l'œil. Si quelqu'un perdait son œil, on, on a trouvé, eh, ce monde des êtres individuels, des, des, des têtes, des, des années, des années, comme quoi on, on mettait l'œil euh, fabriqué euh, à la place de l'œil qui était abîmé. C'est-à-dire, euh, la médecine aussi était tellement... Hmm, Avancé, il y a déjà 7700 ans. Mais tout d'un coup, on ne peut voir que pendant 3200 ans ou 3500 ans, il est en train de régner, il disparaît. Il disparaît, il ne reste plus rien. Après, on va aller découvrir Persepolis, Abu Sambol. Abu Sambol, vous le connaissez, c'est en Égypte. Oxor, si vous allez en, en Égypte, Oxor. Comme tous les autres pays, vous voyez, dès qu'on fouille, il y a des villes qui sortent, des villes. Oh, en Égypte récemment, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec les momies les pharaons. Des grandes civilisations existaient. Ce que nous avons aujourd'hui, chips, Andy, le pouce pour notre téléphone, je ne sais pas quoi, l'histoire de la télévision, tout ça, dans les anciennes histoires, il existait. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, on parlait, on disait Ah, il y avait tel philosophe, tel chef, je ne sais pas quoi. Il disait Regardez, tout regarder dans l'eau, aux rivières ou petits bassins, et là-dedans, tu voyais comme tu vois à l'écran de cinéma. Ça, c'était écrit il y a déjà des, des centaines d'années avant. C'est-à-dire, ça, ça existait, le progrès. Mais ça s'était détruit, comme plusieurs autres choses que vous avez des exemples, de, que des grandes civilisations ont été détruites, des villes entières ont été détruites dans l'Ancien Testament, dans, dans, dans le livre de religion, le livre de l'histoire. Alors, l'histoire de Covid, c'est un de ces trucs-là. Euh, il est arrivé, alors, ça c'est une longue histoire. Le bout, c'est quoi C'est vrai peut-être euh, tout ce qu'on dit autour et tout ça. Mais c'est ça malheureusement. C'est ça. Comme il y a des films que j'ai vu, les Turcs, ils ont fait euh, sur l'islam. Ces films-là existent. Vous pouvez aller regarder sur l'Internet. Oh, quand euh, ils attaquent les musulmans dans les pays civilisés comme euh, la Rome, comme Anatolie, euh, comme euh, la Assyrie, même euh, en Espagne, même il vient jusqu'à Montpellier, je ne sais pas quoi, ah, et quand ils attaquent, ils mettent l'épée sur notre truc, ils disent alors, tu deviens musulman en disant euh, deux mots, ou oh, je coupe ta tête. Dans le film que même les qu'ils l'ont préparé, qui existe, vous pouvez aller le regarder, même ils parlent en anglais. C'est la vérité de l'histoire. Tu étais obligé de choisir entre couper la tête ou devenir musulman. La plupart des pays qui, actuellement, ils sont musulmans, qui donnent leur vie pour l'islam, ils n'étaient pas musulmans. C'était en Arabie Saoudite, en deux villes, Makkah et Madiné. Et de là, ils ont sorti. Voilà. Covid-19, vacciné ou non Tac toi. Mais. Mais heureusement, cette vaccination de ce monde-là, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est différent avec couper la tête et devenir musulman. C'est un peu progressif, de toute façon. Vous voyez Et surtout qu'il euh, y a chaque jour des gens qui meurent. C'est-à-dire la réalité des choses existe. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir parce que le risque, ça existe. Est-ce que vous avez compris Ce que je, je dis, ça. Pour résumer ce que je veux vous dire à la fin, mes chers amis, vous êtes pour ou contre Vous devez être vacciné, sinon vous allez mourir. Vous voyez qu ce que je veux dire Vous êtes pour ou contre C'est autre chose. Cette guerre a été perdue par les gens qui sont contre, parce qu'ils sont plus forts que vous, nous et tous. Ça y est, vous êtes obligés de, le, de, de piquer, d'être de, de, vaccinés. Vous n'avez pas d'autre solution. Imaginez-vous, moi, j'en ai des exemples énormes. Mais vous aussi, vous pouvez trouver des gens qui étaient contre, qu'ils soient médecins, politiciens, dans les autres pays, pas en France. Pas en France, hein? ah, oh, oh, dans les autres pays. Et ils disent, oh là là, Covid-19, c'est rien du tout. Non, oh, je veux pas... Et ils sont morts. Moi, j'ai beaucoup d'exemples, des, des Iraniens en Iran, dans les pays tiers-monde, etc., etc. C'est à l'école, dès que... Même imaginez-vous Trump, qui était contre, mais tout d'un coup, on a dit qu'il il a, il a était positif. Pendant quelques jours, il était euh, en quarantaine, etc. Après, c'est grâce aux médicaments qu'il est réussi. Et lui-même, il disait qu'il prenait tous les jours le médicament de euh, notre professeur Didier Raoul, vous voyez Et d'autres personnalités, comme Premier ministre. Et Britannique et Johnson et d'autres, ils ont attrapé euh, au départ. Voilà. Euh, ce que je, je dit, J'espère que vous avez bien compris. On va être contre ou pour, mais vous devez être vacciné, mes chers amis, parce que vous assurez la santé de vous, votre voisin, de la société. Ça, c'est quelque chose. Que c'est le nouveau religion que vous nous. Vous êtes obligé de l'obéir. Voilà. C'est votre maktab de, de cette époque. La fin du monde est arrivée. La fin du monde, ce n'est pas un autre monde. Il faut être. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais je vais vous dire. Il faut être imbécile de penser autre monde, le dernier jugement, c'est le jour que, de nouveau, David Abbasil va venir avec ce visage, avec cette euh, tête et tout ça. Non, on enfin voit que vous êtes parti, vous êtes partis. Fin du monde, depuis que l'homme existe après le Big Bang, plusieurs millions d'années, etc. Fin du monde, plusieurs fois est arrivé. Je vous ai donné un exemple de Mésopotamie, il y a déjà 7700 ans. Il y avait d'autres grandes civilisations du monde en Inde, en Amérique, et les Indiens américains à droite. Ils avaient des grandes civilisations, ces gens-là. Actuellement, on dit qu'ils sont des sauvages et tout ça, parce qu'ils étaient massacrés. Tous les grands euh, peuples d'aujourd'hui qui sont sauvages, qui tourent entre eux. Ils n'étaient pas sauvages, ils ne le tournaient pas avant. Ils étaient plusieurs milliers d'années. N'importe quel peuple que vous le prenez, n'importe quel peuple dans le monde d'aujourd'hui, un jour, il était civilisé et il était patron du monde. Mais c'est après qu'ils ont perdu la guerre. L'exemple le, le plus intéressant, c'est l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui, ça fait 43 ans, vous voyez les barbeaux, les tatati. Mais avant, il était civilisé à l'époque de Chad Iran. Regardez, toutes les grandes personnalités du monde, politiciens, ils venaient consulter Chad Iran. C'est un homme politique assez fort. Le pays il était plein de progrès. Chador, Voile, tout ça, ça n'existait pas. Existait, bon, les gens qu'il voulaient, 4-5%. Bah, tout en coup, ils deviennent euh, avec les ayatollahs. Euh, maintenant, tout le monde, quand on va parler de, de, de la guerre, on dit, ah, c'est l'Iran, l'Iran. Euh, euh, ils ont aussi raison, puisque c'est lui qui a commencé à exporter le terrorisme, créer les patates. Toutes les grandes civilisations sont tombées, et toutes les grandes civilisations, ils sont devenus un jour sauvages. Mais avant, ils n'étaient pas comme ça. C'est le Covid. Covid, il vient, il détruit une civilisation après l'autre. Alors, Covid d'aujourd'hui est fin du monde. Le monde ancien s'est terminé, mes chers amis. Le monde qu'on avait jusqu'en 2020 s'est terminé. Ils ont fait plusieurs coups, il fallait que je vous dise. Voilà, je vous le dire encore. Ils ont fait plusieurs coups pour arriver à ça. En 1979, quand ils ont fait la révolution islamique d'Iran, ils l'ont fait. Ce n'est pas le peuple qui l'a fait, ils l'ont fait. C'était G5 à l'époque qu'ils ont décidé, c'est une longue histoire. Quand ils ont fait ça avec la guerre Iran-Irak, ils ont voulu imposer ce, ce nouveau monde. Mais euh, les choses ont été changées euh, grâce à la résistance de soldats de l'armée de Shah d'Iran qui restait à la main des Ayatollahs. Ils ont pu faire la guerre avec Saddam Hussein sans être perdus et sans perdre la guerre également. Euh, ils n'ont pas pu arriver à leur bout. Après, euh, 11 septembre, mes chers amis 2000, le 11 septembre, c'était le coup, c'était pour le nouveau monde, mais ça n'a pas marché. <laughs> Après, d'autres choses n'ont pas marché. Cette fois-ci, ça a marché et vous êtes obligés de vacciner, mes chers amis, le vaccin, parce que sinon, le variant, énormément de variants va venir, va venir, et énormément de vie qui va être perdues, mais vous voyez, chaque jour, il y a des gens qui meurent, à, à droite, à gauche. Euh, c'est incroyable. En plus, pour le part de vous, euh, enfin, pas pour le part, une partie des gens qui pensent Oh, c'est les Juifs, oh, c'est les Regardez en Israël, premier jour, et tout le monde est vacciné. Tous les jours. Toutes les personnes, qu'ils soient palestiniens, israéliens, je ne sais pas quoi, ils étaient vaccinés, sans aucun problème. Et ils ont accepté. Et ils étaient vaccinés. Et le pass sanitaire, c'était là-bas. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose que même si vous êtes contre, vous êtes obligé. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vous déplacer. En plus, je vais vous dire quelque chose. Ça, comme toutes les choses que je vous ai dit, que c'est arrivé, <laughs> je vais vous dire, quand on fait des manifestations, non? quand on est pour le compte, je vous assure, ça va passer. Ça va passer, mais ça prendra du temps. Mais passe sanitaire, ça va passer. On ne peut pas contester. Aujourd'hui, c'était le troisième samedi de contestation, de manifestation contre passe sanitaire. Imaginez-vous ce que David va vous dire. Euh, j'ai les que je les embrasse toutes et tous. Bravo, j'ai les bravo. Je ne suis pas contre, j'ai les <laughs> Regardez, Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant deux ans Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu Seulement retardé tarder un peu le projet, mais euh, le projet n'a pas été stoppé. Il n'a pas été stoppé. Tout, tout était passé. Maintenant aussi, euh, troisième samedi des manifestations. Premier samedi, il y avait 114 000 personnes dans la roue. Deuxième samedi, c'était 140 000 personnes dans la roue. Nous sommes le 30 juillet. Aujourd'hui même, il y avait des manifestations dans la plupart des villes de France, en France. Euh, ces gens-là, braves gens qui sont sortis pour contester, quelque chose que tout le monde euh, a accepté, presque une grande partie, vous savez, c'était 200 000 personnes. Alors la semaine prochaine, peut-être ça va être 250, 300 000 personnes. Après un an, peut-être on va arriver à 500 000 personnes. Mais euh, le nombre d'habitants euh, en France, c'est combien C'est 80 et quelques millions de personnes, mes chers amis. Ça ne fait même pas 1%. Et pour ça, ça va abouti à rien de tout. Et ça, cette religion, Covid-19, euh, comme pour parle des choses qui dans les religions, on vous a dit, vous aviez accepté, accepté, même jusqu'à maintenant, vous acceptez. Vous êtes de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle croyance. Si vous êtes religieux, vous avez accepté certaines choses qui n'est pas rationnel <laughs> rationnel Vous voyez oh, Vous avez accepté. On vous a, on a, on a fait entrer dans votre tête. et Vous avez accepté. Covid-19, c'est la même chose. Je pense que ça, c'était un exemple formidable pour vous faire comprendre, mes chers amis, euh, si vous voulez rester vivant, si votre famille, vos amis, vos entours, parce que ça, c'est sérieux, il tout. COVID-19, euh, coronavirus, il tout. Avec les variantes qui arrivent, il tout. Alors pour arrêter de se tuer ou tuer les personne, vous devez respecter... Ma, euh, alors, malheureusement, heureusement, ça, c'est autre chose. Hein. Moi, vous me connaissez, vous, vous savez comment je pense, mais je suis un homme de cerveau rationnel. Je suis rationnel. Je ne veux pas parler comme ci, si, comme ça pour vous faire plaisir à, 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 à 200 000 personnes qui ont manifesté. Je vous dis la vérité on n'arrive à rien de tout. Covid existe et on est obligé de vacciner. Mes chers amis, le vaccin. Ça va Vous allez bien Alors, vous avez la parole.